Incroyable. Coucou tout le monde, coucou, j'espère que vous allez tous bien. Salut, alors du coup je recommence mon intro. Hein. Salut Paul Coco, salut JM, salut Benoît, salut Bob, salut Dédé, salut Titi, comment vous allez? Ah oui, c'est mieux, hein? C'est mieux. Bah oui, mais je suis en train de faire des essais avec le nouveau micro et tout ça, et du coup j'ai oublié de remettre mon ancienne interface pour le casque là, voilà. Parce que le micro il est là, hein? Il est là le micro. Il y a toute l'interface stream, elle est prête, hein? Il y a juste Streamlab à configurer, le petit décor, j'ai une baguette à mettre, et puis c'est nickel. Je farm en vous regardant, bah pas de soucis Bob, farm bien, salut Duclos, salut, salut. Du coup, nous étions sur la 11e mission de Call of Duty. Je voulais finir cette carrière aujourd'hui, voilà. Donc il reste pas grand-chose, on va pas perdre de temps, on va y aller dessus direct. J'espère que le son sera pas trop fort pour vous, s'il est un peu fort, vous me le dites. Ça va, je suis comme toi en train de faire la campagne. Ah! Tu la trouves comment toi la campagne, Benoît? Ah, Shadow en vol stationnaire. Oh, c'est fort. Bien reçu. Je suis en place. Moi, je la trouve J'ai sympa, la mais. place pour me poser sur le toit. Oh non, c'est Ok. bon. Vous l'entendez bien, vous. Hop. Je vois deux gardes armés devant la Elle porte. est excellente. Elle est sympa, ouais, elle est Bravo, sympa. comment ça se présente? Elle est sympa, mais il Bloqué y a dans des le phases, elles triage. sont trop longues. Des Super. phases vraiment trop longues, Comment tu vous sais. avez fait ça? Style avec le Je suis sniper, curieux. c'est super long. Mais après, je la trouve vraiment sympa, J'ai quoi. saut en visuel. C'est l'heure de vérité. Pour vous faire un petit débriefing, on était en train de courir après Hassan, ok? Hassan, on l'a chopé, il a fallu le relâcher. Et oui, parce qu'on n'a pas pu lui mettre une balle dans la tête, c'était trop facile. Il fallait bien que le scénario continue. Du coup, il y a tous les ennemis, ils se demandent qui c'est qui court après. Et là, on a notre ami qui est directement parti aller lui donner des informations, avec lui montrer le logo du régiment pour dire, voilà, c'est nous qui nous vous courons après. Et en même temps, il faut qu'on récupère des informations sur les silos missiles. Enfin, les conteneurs missiles qui ont été volés ou donnés par l'Iran, on ne sait pas trop, donc on continue cette enquête. Voilà. Maintenant, oui. C'est moi qui joue? Non, c'est pas moi. Il l'amène dedans. Il a du courage, ceci. J'espère que ça ira. Ouais, pas de soucis, JM, merci. Merci beaucoup. Bon boulot à toi. Bon courage pour un samedi. Hermano. Alejandro? Comment t'as? Pas le temps pour les explications. Écoute-moi attentivement. Dis la vérité. Donne-leur tout ce qu'ils veulent savoir, sinon ils te tueront. Je savais que c'était Tu un veux qu'ils leur traître. disent tout? Je l'avais dit Pas que du c'était un tout. traître, cet Les forces enfoiré, spéciales t'es. mexicaines, les soldats SMP américains, la Shadow Company, Philip Graves. Toute la vérité. Même ton nom? C'est bien lui? Oui, chef. Il a un nom, le Mohawk? On m'appelle Soap. Soap, c'est quoi ce nom à la con? T'as pas vu le tien, toi? Suis-moi. Je veux voir Elsin Nombre. Il veut voir le boss. Si t'es en vie, c'est parce que tu détiens peut-être des informations. Ouais. Elles ont intérêt à être bonnes, gringo. Ou sinon, je te fais bouffer ta putain de crête, ok? Oh. Dégage de mon ascenseur, Merci, bordel. Salut, salut. Ici. Merci pour le 16e mois, merci beaucoup. Pardon. Oulé. Tu ne verras le boss que quand je l'aurai décidé. Tu ne parles que lorsqu'on t'interroge. Et plus important encore, tu dis la putain de vérité. Parce que si tu mens, je te donnerai à bouffer au chien. Alors si j'ai une vérité à dire, je te dirais que ta déco elle est à chier, mais Qu'est-ce par que contre t'es en j'aime bien train les de bouteilles de faire, vin. putain? Ça fait des jours que je dors pas. Le boss a dit pas de drogue. Diego, j'essaie juste de me maintenir éveillé, c'est tout. Il y en a un qui va dormir. Respecte les putains d'ordre. Tiens, calmez. La douleur te maintiendra éveillé. Allez, remets-toi au boulot. Allez! La Salma, c'est en guerre. Tu veux gagner? Alors obéis. Alors C'est je comme ça que disais. l'organisation survit. Ta déco est à Et c'est chier. pour ça que le boss est là ce soir. Elle s'est nombrée, est ici. Non. Il est pas mal. Il est sympa. Il est sympa, Et la papa. sicaria personnelle du Cid Nombre, oui. Bah, je suis pressé à voir, c'est les maps en vérifier. multi. Map en Voilà multi, un elle autre. devrait être déchirée. T'es. Un gringo. Oh, Valéria. Assieds-toi. Avant, je dis. Oh, putain. Toi, je t'en ferais bien mon 4 heures.
Excusez-moi. Oh, pardon. J'ai baissé un tout petit peu les yeux. Oui, je vais m'asseoir, je vais m'asseoir. Pardon. Vas-y, attache-moi. Su nombre es Jabón. Él nos buscó. Jabón, no mames. Pourquoi elle se fout de ma gueule? Pas cool. Así nomás. Dice que tiene información. Tiens, regarde. Viejo de mierda. No tenemos ni puta idea de quién es este güey. Ya nos vio la cara. Valeria. Elle a du caractère. Necesitamos servicios de inteligencia. Elle est vénère. Él puede ayudarnos. Más te vale que nos dé algo, porque si no... Oh, merci Puri pour le 18e mois. 18e mois, pardon. Sacré sandwich, Athena. Niños. Merci pour les 100 bits. Merci beaucoup. Je pose des questions, vous répondez honnêtement. Ne vous avisez pas de me mentir. Bien, dame. On joue à la roulette russe? Jusqu'à présent, on protégeait un ami dans les montagnes. Mais quelqu'un nous a attaqués. Qui? Todo un caos, no vi. Répète pour que le blanc comprenne. Je crois que c'était le cartel rival. À ton tour, Blanquito. Qu'est-ce qu'on fait? On dit la vérité ou pas, là? On dit la vérité, on verra. C'était l'armée mexicaine. Il ment. Mes troupes combattaient les agresseurs. T'es sûr de toi? Yes! Ouais, c'était l'armée mexicaine. on va, tu vas voir. Vous nous avez attaqué. Là, tu vas prendre une balle, je suis sûr. Je crois le caporal. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah putain, c'était la vérité. Pardon. Jusqu'à présent, on protégeait un ami dans les montagnes. Ah, bougez pas. Quelqu'un nous a attaqué. Qui? Répète pour que le blanc comprenne. Je croyais vraiment qu'elle allait me croire moi et pas elle, pas lui. Je pensais pas me prendre une balle. À ton tour, Blanquito. Blanquito. Qui nous a attaqué? C'est ta mère. C'était pas le cartel. C'était les forces spéciales mexicaines. On a retrouvé les corps. C'est bien ça. On a le choix. C'est vrai bien que l'histoire soit influencée mais selon nos choix. Ouais, j'avoue. Mais ça, j'ai un doute. Je suis pas sûr. Et pas toi. Peut-être qu'il y était. Tu y étais, connard. Peut-être qu'il y était aussi. Des étrangers ont collaboré avec les forces spéciales mexicaines. C'était qui? C'était nous. On les a entendu crier. Moi. Parfois en anglais. Moi, la belle. Ils étaient avec les gringos comme lui. DSP Shadow Company. Une SMP américaine. Un groupe baptisé la Shadow Company. Salut Pepan. Salut, salut. On a trouvé le point de contrôle. Ces pinches víboras. Vous voyez? J'avais raison. C'était les gringos. Mais t'as des preuves de l'existence de cette Shadow Company? Bonjour depuis. Et toi alors? Et toi alors? T'as une preuve? Ouais. Garde dans ma poche. Fouille au fond à droite. Tu trouveras ce qu'il faut. C'est quoi ça? L'insigne de la Shadow Company. La preuve. Tu vas prendre une balle. Tu vas mourir. C'est con, je t'aimais bien. Qui dirige la Shadow Company? Je veux un nom. C'est moi! C'est moi le patelon. C'est Phil? Ouais, c'est Phil. Non, c'est pas Goss, c'est Phil, ouais. C'est Philippe! Philippe Graves. Philippe quoi? Graves. Ça me plaît. Ce type, Graves, qu'est-ce qu'il veut? Ah, j'aurais bien essayé de mettre... le signe des missiles. Il veut les missiles que vous transportez. Comment il est au courant de ça? Non puedes confiar en él. No puedes.
te lo digo. Tú no nos has dicho ni verga, idiota. Te pagamos. Oh, lolo. Quiero saber más que tú. Et bim! Voilà, au revoir! Tu passes à l'arme blanche, je sais pas, c'était moins marrant. Mettons-nous au boulot. Oh! Allez, on va là-haut. Oh! Salut. Allez, Diego! Bon, bah viens! Allez, je t'attends. On n'en a pas fini avec toi. Elle s'y nombre et décidera de ton sort. Vuelta a trabajar, pinches cabrones. Arrête de sniffer la coque, il a dit. Allons-y. Bah, je suis à fond, chef. Oh. Oh, oh, oh. Tranquille, Emile. Pourquoi il appuie sur tous les boutons de l'ascenseur, lui? Je vais être dans le penthouse avec elle, sin nombre. Quand est-ce que je verrai elle, sin nombre? Valeria doit aller parler avec le boss, là. Tu attendras avec les autres. J'ai comme l'impression qu'El Sin Nombre aura très envie de te parler. Bah c'est cool. Bonsoir. Tu vas devoir attendre ici, Soap. Tu vas être en l'ofrenda. Et non m'intéresse. Oui, chef. Órale, me encargo d'elle, güey. Te necesitan afuera. Ok, il faut lui donner un masque et le surveiller. Tu es vivant? Alejandro, je vois que toi aussi. El Sin Nombre est dans la suite. Au dernier étage. Salut Joker, salut, salut. Diego en a une. Prends ça. Ouais, couteau. Sympa. Tiens. Pourquoi un masque? Des gens peuvent pas être vus avec le cartel. Radio en marche. Tu me reçois? Ok. T'es prêt? Sortons. Ghost, on y est. Qu'est-ce qu'on a? El Sin Nombre est dans le penthouse, au deuxième étage. L'ascenseur nous y mènera. On a juste besoin de la carte de Diego. Où est Diego? La salle des offrandes, premier étage. Tu vois quelque chose, lieutenant? Si tu trouves un moyen de monter sur le toit, tu pourras accéder au penthouse. Dans tous les cas, faut que je monte. Attention, hermano. Les gardes te trouvent là-haut, dans le garage. Ils n'hésiteront pas à t'abattre. Qu'est-ce qu'il y a dans le garage? T'inquiète pas, ça va le faire. Mais c'est important pour Diego. Trouve El Sin Nombre et finissons-en. Pas de problème. Terminé. Tu viens, Alexandro? Allez! Trouver comment monter dans le garage, c'est ça? Comment on va monter au premier étage? Voilà, il y a trop de monde. Je prends une bouteille. Pratique pour faire diversion. Non, ça fume bien. S'il faut faire diversion. Ça me paraît qu'il y a de la visite par là. Comment on peut monter au premier étage? Alors là, ça va être la question à 10 000 euros. T'sais. Un peu partout dans le monde, hein, je te cache pas. On était à Mexico, on a fait Amsterdam. On a fait 2-3 conneries. Là, il y a peut-être possibilité que ça passe. Le problème, c'est que là, je vais me faire griller. Comment on peut passer, là? La question à 10 000 euros. Point de contrôle atteint. Salut, je vous coûtera quand même 70 euros avec après le... 28, ouais, il faudra attendre quelques mois avant de. Avant de le faire bouger, je pense. T'es en sécurité ici. T'es dans une zone défendue. Reste sur tes gardes. Les accroupis, hein. Okay. Je suis au premier étage. Diego est dans la salle des offrandes. Elle doit être quelque part à cet étage. Entendu. Oui, 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 je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. On va se fâcher. Putain, comment tu veux passer là-dedans là? Alejandro, j'ai trouvé Diego. Bien sûr. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a le garde devant là. Je fais comment pour passer, chef?
Tiens, si j'essaye de l'attraper comme ça. Oh, c'est passé. J'ai trouvé une arme. Attention, Hermano. Le moindre bruit mettra tout ce beau monde sur notre trace. Contacte tous les chefs de zone. Je veux voir ces intérêts rendus à tous les ponts de la Salmas. Décroche, allez, écoute. J'ai un travail pour toi. Rappelle-moi dès que tu peux. Et si jamais les vaqueros interviennent? Rendez-les aussi. Oh là là, c'est chaud! Pourquoi ils envoient des mercenaires? S'ils envoyaient la véritable armée, ça déclencherait une guerre mondiale. Eh, ce sont des mercenaires. Ils suivent d'autres règles, comme nous. Ils tuent pour de l'argent. Pas de soucis. Notre opération avec l'Iran doit pas être interrompue. Puede que estén cerca revisar. Je vais me faire griller, c'est obligé que je me fasse griller. Un marché est un marché. C'est quoi ce bordel? C'est bien trop important. Pour que des cobolds viennent tout foutre en l'air. What? Diego est mort. Tout en force, je te reconnais bien là. J'ai la carte. Bien joué. Dirige-toi vers l'ascenseur ou retrouve-moi au rez-de-chaussée. Quoi qu'il en soit, reste discret. Sauf, ils arrivent, reste pas là. Oh là là, je suis passé, mais. Dans un trou de souris, tu sais. Ça y est, Lambella. Ils savent que je suis au premier. C'est calme en bas. Redescends si besoin. Ah oui, je voudrais bien redescendre, mais je sais qu'il y a un concon là. Il est reparti le concon. Ah, il est parti. Ah, c'est bon. Eh, ni vu ni connu. Ah. Eh merde! C'était trop beau pour être vrai! Il y a un copain à droite là. On va voir s'il monte. Il a l'air d'arriver. Tire pas. C'est bon, il a pas tiré. T'es de nouveau en sécurité. Attention, hermano. S'il te trouve, t'es mort. Oula, j'ai déclenché une alerte. On va se promener. Ouais, les redis seront sur YouTube, ouais, Joker. Pas de problème. C'est prévu, c'est prévu. Bonsoir. Je chercherai une possibilité de me promener à un endroit qui craint rien. À côté des ascenseurs. Ah, c'est Alexandro, c'est bon. On va le faire. Monte, allez. Je sais pas si c'est un traître ou pas, Alexandro, là. Si c'est juste un agent infiltré ou quoi que ce soit. Mais c'est chaud quand même. Ascenseur, vite. Hop là. Quel bouton? Hop là. Direct. Direct en humain. A plus, Joker. Ciao, ciao. Pas de soucis. C'est maintenant que j'avais. Oui. Contrôle de sécurité droit devant. Comment on traverse? Oh. Bonsoir. Je suis pas sûr que ça soit le plus discret. C4, j'ai un nouvel invité pour le boss. Ah, maintenant tu peux faire dodo. C'est verrouillé.
Oh bah merde. Endoscopique en place. Mettons enfin un visage sur celui qui n'a pas de... La cargaison d'Espagne est arrivée comme prévu. Je peux vous garantir que mes hommes respecteront cet arrangement et que les paquets seront en place. C'est qui l'autobus là? Estás preparado para otro visitante? Ah, c'est elle. Ah ah. Muy bien. On peut commencer. C'est notre copine, c'est Valeria. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? La sicaria que j'ai rencontrée au sous-sol, Valeria. C'est elle, El Sinombre. Valeria? T'es sûr, hermano? Oui. Il faut qu'on bouge. Graves, Sinombre se fait passer pour une sicaria. On entre, vous êtes prêts? Ok. Ghost? Oui. Il nous la faut vivante. Oh, je l'ai mis dans la tête. Oh, le taux de latence, là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, là? Ah, bah, c'est... on va la refaire, hein, correctement. On va la refaire gentiment, s'il vous plaît. Ouais. Ils nous la font vivante. Mais j'ai pas tiré sur elle. Ouais. Je l'ai pas touché. Ouah, elle est pas traversée la balle, putain. On va y arriver. Eh, mais l'autre il se met devant moi aussi là. Et qui le patelin? Fort le son. Valeria, ne regarde pas comme ça, je sais que t'adores. Mon nom est Valeria. Caché à la vue de tous. Caché. Je suis partout, soldat. Bien. Nous aussi. On y va. Il y a une histoire entre les deux là. Mon pote, tout va bien? Il y a une histoire entre tous les deux, je suis sûr. Je l'ai défoncé. Elle est promis qu'on allait se marier. Asseyez-vous. Dites-moi, comment vous vous connaissez tous les deux? Se connaître, c'est un grand mot. Les paroles fortes sont importantes. Notre parole est notre valeur, non? De la verga, de la puta que te voy a matar. Oh, 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 du calme, commandant. Ouais, ouais. Ouais, ouais, oh le bonhomme. Vamos, dis-leur. Personne me donne d'ordre. Même les klebs de Las Almas n'osent plus m'abouiller. Sans blague. Non, c'est une ancienne militaire. On a servi ensemble. Différentes escouades. Même unité. D'un côté, vous, les... sauvages. Les vaqueros. De l'autre, mon équipe, irréprochable. Jusqu'au raid contre le fils de la Araña, tu te souviens? Comme si c'était hier. Son équipe était censée boucler la ville pour empêcher les mercenaires de la Araña d'entrer et éviter le bain de sang. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ouais, personne n'est entré parce que c'était vous les mercenaires, pas vrai? Il a été escorté dans les montagnes sans incident. Et on a évité le bain de sang. Il devait finir derrière le barreau. Donc vous l'avez tué. Et pris sa place. J'avais laissé une place vacante. Et je l'ai comblée. Las Almas a besoin de moi. Las Almas a besoin de soldats. Pas de sicarios. Et toi? Toi, t'as déshonoré l'armée. Et tes frères aussi. Pourquoi vous faites ça? À vous de me le dire. C'est pas vous, les mercenaires? La concurrence profite de votre inaction. Le narco qui protège un terroriste. Le terrorisme, c'est bon pour les affaires. Une forme d'assurance. Ça veut dire quoi, ça, putain? Puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo! Puta madre, Alejandro!
Oh. Tant qu'il y a une guerre contre le terrorisme, ça laisse le champ libre au trafic de drogue. Pour trouver votre soi-disant terroriste et vos missiles, vous avez besoin de moi. Pour éviter un bain de sang. Non, ça sera sans moi. Ça change rien. Au contraire, ça change tout! Putain! Ne faites pas de marché avec elle. Ça va mal se finir. Maintenant, c'est à ton tour de dire la vérité. Je veux les missiles, je veux la cible, et je veux Hassan. Vous avez 10 secondes pour tout me dire, avant que je vous montre la différence entre l'armée et moi. Je connais pas les cibles. Je suis qu'un messager, un simple pion. Mais je sais où sont les missiles. Et à votre retour, je vous dirai où se trouve Hassan. En échange, vous me laissez partir et vous foutez le camp de la Salmas. Je veux plus vous voir. Ok. En attendant, vous resterez ici. Ah, des couilles pour une nana! Les coordonnées obtenues lors de l'interrogatoire pointent vers une plateforme pétrolière à 400 000 nautiques au large du golfe du Mexique. La plateforme n'est plus en activité et sert actuellement de lieu de stockage pour la contrebande du cartel. Un cargo a jeté l'ancre à 500 mètres les au nord-ouest. Les cartels, ouf. L'équipe de surveillance a repéré du personnel en train de décharger un vaste conteneur. Ce conteneur se trouve désormais en haut de la plateforme. Nous pensons qu'il renferme le missile. La Task Force 141, le colonel Vargas et la Shadow Company monteront à bord de 3 bateaux pour une élimination simultanée des 2 cibles. Ghost dirigera l'équipe d'assaut en charge du cargo. Graves, Soap et Alejandro attaqueront la plateforme et désarmeront le missile. Yeah. L'ennemi ne vous fera aucun cadeau. Vous avez ordre d'éliminer toutes les menaces. Pas de soucis, chef. Let's go! La plateforme pétrolière! Très bien, c'est ma possible! Shadow 1 et 2, rejoignez vos points d'accroche! Et invitons-nous à la fête! Toutes les unités d'environ visuel. Reçu! Préparez-vous à attaquer! Ça fout le bordel! Oh! Je te calme, Martin! Valérie a dit vrai, on embarque, on nettoie et on désarme le missile! Si elle a menti! Je vous souhaite du courage! Que Dieu nous aide! Restez sur vos gardes! Ça pourrait être un piège! J'en suis à la 12 ou 13 là. Leader, on est en position. Là on va découvrir la plus petite carte de ce Call of là. Je le sens gros comme une maison. Container, ça me fait rappeler la petite map Mère Chipson. Sur Call of le dernier là. Enfin l'avant-dernier maintenant. Petite touche faisait carnage. Le missile est sur cette plateforme. Je veux un périmètre complet. Allez, let's go. Je suis 3 soldats à la Catala à l'intérieur. On entre. Soap, entrez, nettoyez la pièce. Pièce dégagée, je sors. Reçu. Ici Shadow 1, vous verrez sur les escaliers ouverts. Déserteur. Hé hé. Faites le ménage, les enfants, faites le ménage. Ça va bien se passer. Je vais adorer cette carte. Elle va être monstrueuse celle-là. Ça va être un étrangleur. Ghost, dirige vers le pont principal. Il était en train de chier, le pauvre. Je monte à bord du bateau avec Shadow 3. Bien reçu. Direct. Ouh. Flash! Hey, regarde où tu t'es qu'à pas passer devant moi là! Ces connards savent qu'on est là! On se déplace vite! À tous les Shadows, en avant! Je veux un visuel sur ce conteneur tout de suite! Deux reçus, on y va! On doit y aller! Shadow 1, ici Ghost! Les fusées sont envoyées depuis la plateforme! Quelle est la situation à vous? Ghost! Ils font signe au navire! Ils vont lancer le missile! C'est que la première phase, on a encore du temps. À tous les Shadows, à tous les Shadows. Allez, on attaque. Un,
La guerre, mon général. Je t'ai vu passer à droite, là. Vas-y, viens. Il y a le bateau. Ah, je peux pas monter. Ah, je peux pas monter. Ah, c'était trop con. Merde. Hop, pardon, j'ai plus de munitions. Ah, j'ai plus de place pour rentrer là. Hop, ça passe. Leader, ici Shadow 1, plateforme sous contrôle. On passe au conteneur. Bien reçu. Confirmez une fois que la cible est neutralisée. Ouvrez. C'est bon. Merci pour le Prime, Kiki. Merci beaucoup, 6ème mois d'abo. Merci, excuse-moi, j'étais dans le feu d'action. Salut, Nux. Les commandes. Ce putain de bateau. Leader, on a un problème. Le missile est armé. Les commandes sont quelque part sur le bateau. Vous avez vos ordres, fiston. Stoppez le lancement. Alejandro, prenez le relais ici. Soap, venez avec moi. On va monter dans ce bateau. Mais let's go, chef. Allez, vas-y, let's go. Il y a toujours un temps de merde quand on fait la guerre. Jamais il va faire beau. On prend les commandes et on arrête ce foutu missile. Comment on monte à bord? Venez bon, sergent. Allez. Ah oui. C'est pas une autre méthode de monter, franchement. Allez, préparez-vous à l'assaut. Oh, c'est chaud! Les rendez-vous continuent de nous couvrir depuis la plateforme. On va porter passage. Ok, on y va! Les conteneurs sont notre seule couverture. Évitez juste de vous faire écraser. Oh putain, c'était sûr. Là, c'était trop le bordel. J'étais perdu là. Oh, le fait que le bateau il bouge comme ça, que les containers bougent là, c'est juste. T'as envie de mourir. Là. C'est un peu chaud. Les commandes du missile sont dans la passerelle. Il faut absolument stopper le lancement. Allez, Randro, continue de nous couvrir depuis la plateforme. On va porter le passage. Bien reçu. Ok, oh, on y va. On peut monter dessus là. Évitez juste de vous faire écraser. Tape. Il y a une greu. Oh là là, c'est la merde. C'est la merde avec les conteneurs. Foutez-moi la paix. Ah bah toi, tu te mets en face de moi. Ça va bien se passer, chef, ça va bien se passer. Ah putain, le bâtard. Oh non, putain, je lui mets 3 balles quoi. Ça fait bizarre, patron en live le samedi après-midi. Ah, ouais, j'avoue.
Oh, c'est chaud. Oh, les containers, mais c'est la folie ces containers. C'est toujours emmerdé quoi. Vous risquez de vous faire écraser par les containers. Oui, chef. J'ai bien compris. Oh là 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 là. T'as les petits à l'allure où ils se déplacent, les petits, ça, c'est beau. Ah, oh, c'est rageant. Aïe. Oh, t'es sérieux là, je te la mets pas. Il m'a fait peur, Ghost. Ah oh, putain, c'est à chaque fois quand j'ai plus d'armes. Oh mais merde. Putain, je fais une belle avancée, une belle percée, je passe pas quoi. Oh, c'est quoi qui m'a buté? Ah, oh, c'est un container. Wow, je vais y arriver, on se calme, on reprend la concentration, on y va tranquille. Allez, viens. En fait, faut être sûr les containers, comme ça t'es tranquille. Sur les containers, t'es calme. Je vois plus personne. Si, là-bas. J'en ai vu deux derrière. Montrez vos têtes. Putain, il me tire dessus, je le vois pas. Putain, bim. Les balles que je prends.
Il y a un deuxième derrière. Oh mais non! Ah, les containers, il devrait me pousser le container, il devrait pas m'écraser, j'avais rien derrière. En fait c'est des points de contrôle, de toute façon c'est un call off, pas du tout. Si tu rush, tu passes. Et si on se concentrait 30 secondes, ça serait pas mal. Elle va me faire galérer cette mission. Ah c'est parce que ça, on n'a pas des situations comme ça à l'entraînement. Putain, je vais me faire éclater la gueule. On ne pas, espèce de bâtard. Là, quoi le patron là? Le patron a dit crève. Hop, et écrasé le gars là. Aïe, fous-moi la paix. Non. Non. Voilà. Là on risque plus rien. Là on est en contrôle. Allez, on sécurise. C'est assez rapide. Sécurisez le pont et on explose la porte. Entrez ta passerelle en vue. Dégagez. Là d'un coup ça se calme là. Essayez d'ouvrir. Les commandes sont à l'intérieur. Allez let's go. On peut le faire péter le bateau. Okay, reculez. On l'aurait foutu au fond de nous, hein. Il n'y aurait plus de problème. J'aurais voulu avoir une arme un peu plus vénère. Ah merde. Putain j'y vais comme un con. C'est la galère, c'est la galère. Après toi sergent. Oui oui après moi. Avancez Soap. Il faut nettoyer l'autre pièce. Non mais bouge aussi. Avancez. La passerelle se trouve deux niveaux plus haut, c'est ça? Affirmatif. Ah, prendre de l'arme qui va bien. Je passe au premier. Contact. Couloir pour les contourner, sergent. Oh, qu'est-ce que je m'attends à ça, putain. Sa mère. Contact. Passe par le couloir pour les contourner. Putain, le pompe, il fait mal, hein. Reste pas là, y'a rien à voir. Pièce dégagée.
Merde, je suis pas dans le bon côté, je le sens. Dégagé. Couloir dégagé. Allez, avance toi. Faire péter la grenade dans le cul. On approche de la passerelle. Ne tirez pas, Alejandro. Reçu, il y a 4 ennemis à l'intérieur. Compris. Oh là là. On est dedans, chef. Bon, voilà les commandes. Voyons ce que je peux faire. Oh, ben on est passé. Allez, mon vieux. Allez, plus vite. Merde. Impossible de désarmer. Pourquoi? On arrive trop tard. Y a pas un code d'annulation? Si, mais la fenêtre d'action est fermée, les gars. Leader Gold Eagle. Ici Shadow 1. Le missile se trouve en phase de propulsion et s'apprête à décoller. Vous me recevez ? 5 sur 5, Shadow. Si on ne peut pas le désarmer, on le fera exploser. Bien reçu, leader. Ce sera fait. Soap, prenez les commandes. On va devoir faire ça ensemble. Le temps joue contre nous. Alors on va devoir faire vite, c'est compris ? J'y arriverai pas tout seul, Soap. J'y suis. Venez m'aider. Leader, on est prêt. Quels sont les ordres ? Entrez le code DAL et laissez la charge exploser. C'est quoi un code DAL ? Destruction après lancement. On va détruire la plateforme pétrolière avec ce missile. Alejandro est là-bas avec les autres Shadows. À toutes les unités, évacuez la plateforme immédiatement, je répète, évacuez la plateforme. On a combien de temps? 1 minute. Compris, on bouge. Saute dans l'eau, ça ira plus. Prenez les commandes. Oui, alors on fait quoi là? Il faut le mettre en mode diagnostic, pour que je puisse contourner l'étape d'identification. Sauf, okay. Appuyez sur effacer et mode en même temps. Effacer et mode. C'est fait. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Wow. Petite prouesse technologique. Ok. Le dernier chiffre de la ligne 2, colonne 1. De quoi? J'ai pas compris. L. L, de Lima. Négatif. Deuxième ligne, première colonne. Vérifiez. Deuxième ligne, première colonne. Et tu veux quoi? Bah c'est un 0. Deuxième ligne, première colonne. Bah oui, c'est un 0. 0. Négatif, regardez la ligne 2, colonne 1. Ben la ligne 2, colonne 1. Ta mère. Je suis si mauvais que ça. 8. Négatif, regardez mieux que ça. Il veut quoi? Reigns, il est lancé. On n'a pas confirmé le changement de cible. Ah bah, il va je vais détruire crever. La Nouvelle-Orléans. Voilà, bon, bah ok, d'accord, ok. Alors attends, deuxième ligne. J'ai pas compris. C'est fait. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Une petite prouesse technologique. Ok. Il me faut le dernier chiffre de la ligne 2. Ah, le dernier chiffre de la ligne 2, colonne 1. Le dernier chiffre, eh ben c'est 0. 0. Négatif. Deuxième ligne, première colonne. Vérifie à nouveau. Bah c'est 0. Deuxième ligne, première colonne. Je crois bien que c'est 0. Négatif. Regardez la ligne 2, colonne 1. Quelqu'un voit quelque chose. Ah, c'est C, pardon. Je suis trop con. C, de Charlie. Eh ouais, je suis trop con. Il se dirige vers la nouvelle Orléans. Maintenant. Cible mise à jour. Mais oui. Exécuté et ce sera bon. Eggs. Et c'est parti. Admirez le résultat, sergent. Oh là là, quand t'es mauvais. C'est parti. À toutes les unités. Préparez-vous pour l'explosion. Missile envoyé. Ouf. Regardez-moi ce spectacle. Bordel de putain de merde. Alejandro, tout va bien? Est-ce que ça va? Tout le monde va bien, Herman. Leader Gold Eagle, ici Shadow 1. Mission réussie. Missile et plateforme détruits. Bien reçu, Shadow 1. Félicitations. Quittez la zone et rentrez. Stop. Gauche, merci. Travail remarquable. Bien reçu, leader. Rentre à la base, les gars. Bon, on est pas mal. On a eu un missile. Ça sent la couille, je sais pas pourquoi.
quoi, ça? Ça, mon ami, c'est le futur immédiat. Éloignez-vous de la porte. Quoi? Allez, allez. J'ai perdu la tête. C'est ma base. Ce n'est pas une base. C'est un grand complexe, secret, et... il me plaît bien. Je vais le garder. Je vous relève de vos fonctions. Merci pour vos services. Non, 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 j'ai pas d'ordre à recevoir de vous. C'est aussi ce qu'a dit Valéria, non? Du coup, ce qui m'interroge, c'est tout ce que je ne sais pas sur votre relation avec cette baronne de la drogue. Qu'est-ce que tu viens de me dire, Pender? Dépassez les bornes, Graves! Ne faites pas ça. Calme. Calme. Vous ne voulez pas que quelqu'un soit blessé. Est-ce que c'est une menace? Soldat, ce n'est pas mon genre. Moi, je donne des garanties. Alors on va tous se calmer. J'appelle Shepard. Le général Shepard vous envoie ses salutations. Il m'avait dit que vous auriez du mal à avaler la pilule. Il est au courant? Il m'a chargé de reprendre les rênes de cette opération. Alors je vais vous demander de bien vouloir vous effacer. À partir de maintenant, laissez faire... Ah, il est passé en rouge, l'autre. Écoutez, pourquoi faire comme s'il s'agissait d'une négociation? Ce n'en est pas une. J'ai reçu des ordres. Et maintenant, vous avez les vôtres. Tu peux me dire pour qui tu te prends, cabron? Mes hommes sont à l'intérieur! Malheureusement, non. Vos hommes ont été... appréhendés. Hey, c'est quoi ces conneries? C'est chaud, hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi ce merdier? T'es là, gosse? T'as commis une grave erreur, mon ami. Ça aurait pu bien se passer. Putain de merde! Trouvez-les! Ah, j'ai pas capté, là. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe, mon dieu de bordel? Y'en a qui va nous dire? Ah, surprise. Là, je suis surpris d'un coup. Là, ça me plaît bien. Ça va, bonhomme? Ici Bravo 7-1 à l'aveugle. Tu me reçois? Ghost, ici 7-1. Est-ce que tu me reçois? Merde, où est-ce que t'es, Ghost? Ghost, il va faire le ménage, Ghost. Les traîtres, ouais, je sais pas. Lui, il a l'air de bien galérer quand même. Ici Ghost, tu me reçois? Tu vas crever. Johnny, tu me reçois? 5 sur 5. Je pensais t'avoir perdu. Oh là là, je vais ramper maintenant, c'est nouveau. 2-0, nous sommes quadrillés la zone. Ghost, Soap, Wassan sont ici. Faut les empêcher de sortir. Bien reçu. Équipe 2, vous êtes la zone. Compris. Oui, chef. 2-0, c'est moi. Qu'est-ce que ça change? Que ça change? Ta vie en dépend. Évite de perdre trop de sang, t'en auras besoin. Merci du conseil. Je sais pas ce qu'il faut faire. Survivez, d'accord. Venez, par ici. T'es où? Je suis en route vers une église. On a qu'à se donner rendez-vous là-bas. Tu vas devoir improviser pour survivre. Mettez-le à côté. Graves et la Shadow sont entrés dans une folie. Oh putain. Ils cherchent Hassan. Et nous? Qu'est-ce qu'on fait?
survivre, mais je sais pas où me planquer là. Écoute bien, on va essayer, on va essayer. On peut tenter une attaque ou pas là? Oh là là, il y a un paquet de monde là. Il y a deux mecs derrière. Putain de merde. On a trouvé quelques ripoux dans le coin. Allons discuter gentiment avec eux. Je suis pas sûr que ce soit dans la meilleure des maisons que je rentre. Ça veut pas. La porte est verrouillée. Cherche du matériel pour confectionner des outils. Bienvenue dans la guérilla. Oh là là. C'est quoi ce mode? Quelle horreur. Qu'est-ce que tu vois? Un bain de sang. Le pauvre gars. J'ai trouvé une corde. C'est un début. Cherche encore. Des boulons. Une hélice. J'ai récupéré une pale de ventilateur. Attache la corde à la pale et serre-t'en comme levier pour ouvrir une porte. T'as l'air de maîtriser ton sujet. What? Des années de pratique. C'est chaud là. Maintenant il faut faire des crafts. C'est quoi ce bordel? Je suis pas sûr que la pale de ventilateur est assez. C'est cassé. Tu as ouvert la porte? Affirmatif. Bien. Ouvre l'œil. Tu devrais pouvoir en trouver d'autres. Il y a du monde là. Non, c'est pas par là-bas. Merci Nikos pour le 7ème mois, merci beaucoup. Oh, tu tires sur tout ce qui bouge là-bas. Si j'en bute un, je récupère une arme, on est bien. Putain, y'en a une autre là. Métal. Faut un bandage. J'ai pas de bandage. Ouais, il me faut une ligature. J'ai dû le zapper quelque chose à un endroit. Oh putain, y'a un soldat là. Quoi, ça se fait qu'il y a un soldat qui était là, là? Truc de fou. Y'a pas une ligature là-dedans, là? Et l'autre qui chouine, là? Je vais me faire niquer la gueule, c'est sûr et certain. Non, je reviens sur mes pas, c'est pas possible que ce soit ça là. Oh là 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 là. La tension est à son comble. Ne bouge pas toi, ne bouge pas, fais pas demi-tour. Quoi qu'on aurait pu essayer de l'avoir par derrière, non? Ah, je sens que je vais faire une connerie, je sais pas pourquoi. T'es sérieux? Trouve une arme tranchante pour éliminer les ennemis. Ah ouais, d'accord, ok. Alors après les pieds de biche, il faut que je m'amuse à faire des... Par contre, j'ai pas de ligature, donc je suis un tout petit peu dans la merde. On va essayer d'ouvrir la porte. Voilà le gamin, je peux sortir de là. Allez, viens avec moi. Du calme, ça va aller. Doucement. Je comprends bien. J'ai ouvert la porte. 4 ennemis, tu peux pas courir, donc t'es juste dans la merde. Attention, attention. Voilà le gamin, je peux te sortir de là. Allez, viens avec moi. Tu es calme, ça va. Qu'est-ce qu'on a là? Chut, doucement. Voyez-vous ça? D'autres policiers.
Alors comme ça, les flics collaborent avec le cartel, hein? Là, montrons-leur un peu ce qu'on pense de la corruption. Avec joie, chef. El Sin Nombre, je m'attendrai pour l'instant. Non, non, El Sin Nombre te sauvera pas cette fois, amigo. Le scortera la maldita cabeza. La ferme. Cállate. No más hablar. Oh, c'est chaud. Ça va te rappeler des souvenirs, amigo. Mettez-y le feu. Hijo de puta! Te voy a dar en toda tu puta! Oh putain, il arrive! Emmenez-les avec les autres. Tout de suite, commandant. Ok, ces narcotrafiquants sont des chefs de guerre. Les gens d'ici sont prêts à tout pour eux. C'est pourquoi il faut répondre avec force. S'il cache Hassan, vous me le débusquez! Il est vénère. Et restez à l'affût. Je veux ces Britanniques morts ou vifs. Même si vous connaissez ma préférence. Toi, je trouve une arme, je te mets une balle. Oh là là. Chut, putain. Chut, tu fais trop de bruit. Ah, j'ai trouvé un truc là. J'ai trouvé une lampe frontale, pas très loin de ça. Ancien propriétaire. Bien, fais attention. Ça t'aidera à mieux y voir, mais ça risque d'attirer l'attention. Ah. Oh. Quoi de neuf ? Les mercenaires tuent tout sur leur passage. Des crimes de guerre. Ça me donne envie d'en commettre quelques-uns, moi aussi. C'est de la tyrannie. Ça ne durera pas. Tu crois qu'on aura l'autorisation de les traquer ? On n'a aucune autorisation à demander, Johnny. On est tout seul. Et Laswell, alors ? Laswell est trop proche de Shepard. Pas question de la contacter, tant qu'on n'en saura pas plus. Je fais encore confiance à Laswell. Elle a toujours été de notre côté. Fais attention à qui tu accordes ta confiance, sergent. La trahison vient... Laswell, ça risque rien. Sage parole, lieutenant. Ouais, il y a de l'inventaire dans la campagne. Je veux être comme toi plus tard. Non, Johnny. Tu veux être meilleur. Oh, merde. Gueule, toi. Je vais me faire bouffer. T'as vu le chien en cage ? Le molosse ? S'il aboie, abat-le et repositionne-toi vite. Ne te fais surtout pas repérer. T'as pas de cœur, Simon. Qu'est-ce qui se mange et explose en bouche ? Me dis rien. Une grenade. Je t'avais demandé de rien dire. La blague de merde ! Ouais, j'avoue que c'est nouveau. Là, je suis dans une mission de merde. Je suis dehors, dans une allée fermée. Longe les bords et reste discret. Compris. Tu seras peut-être récompensé pour ça. Par une médaille ? Un beau placard. C'est des conneries tout ça. Je dis que tu voulais une victoire. Félicitations, t'es un champion. Je t'emmerde. Et sinon, en clair, McTavish, l'église se trouve au nord de la ville. Je prendrai position dans la tour de l'église. Trouve comment me rejoindre, et avec un peu de chance, tu t'en sortiras. Escúchame, cabrón. Estás cometiendo un error muy, muy grande. Oui, New England. Je trouve un couteau, ça, ça, a été, ça serait pas mal. Tu aimes l'argent ? Non, non. El dinero, hombre. Por favor. Graves est en train de rafler tous les policiers. Les juges jurés et bourreaux à la fois. Je suis sûr qu'on pourrait les avoir. Une bouteille. Parfait pour faire diversion. On devrait déposer les armes et discuter. On risque de tous y passer. Non, j'ai pas peur. J'suis juste pas stupide. Le mouvement de ton côté. C'est calme par ici. Ah. C'est pas eux qui m'inquiètent de toute façon. Merde! Vous me tirez trop! C'est pas pareil. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Je vais pas le voir. T'as raison, tu verras pas.
Putain, c'était quoi? Mais bouge ton cul. Va voir. Allez, il y a eu du bruit là-haut. Va faire ton boulot. Je peux pas te mettre, je peux pas te saigner. Ça fait un moment, Pépon, qu'il est sorti. Okay. Puis la semaine dernière. Donnez-moi. J'aurais voulu avoir un truc tranchant, histoire de taillader quelqu'un. J'ai trouvé des produits chimiques. Attache-les à de la cire et tu obtiendras une bombe fumigène. Une diversion toxique. Barbare. Ça me plaît. Beaucoup moins. À de la cire? Et comment je trouve de la cire là-dedans? T'es sérieux? Ah bah, tiens. J'ai récupéré de la cire, lieutenant. Ça peut servir. Alors, inventaire. Bouteille, il en faut 4 pour faire quoi? Je sais pas. Pied de biche. Non bah, je peux pas faire machin. C'est pas une lampe qui éclaire loin en tout cas. Je vais tomber face à face avec quelqu'un tout à l'heure, tu vas voir. Coucou, c'est moi. Et oui, il est mort. Donnez-moi de l'arme. Ouais, des explosifs. Cherchez et vous trouverez. Qu'est-ce que t'as? De la poudre noire. Joli, ça va rendre les choses intéressantes. Une tapette à souris. Je vais bien pouvoir lui trouver une utilité. Ça fait un excellent déclencheur. Pour activer quelque chose. Exactement, Johnny. C'est pas une frappe aérienne, mais ça peut aider. Ah, les mecs. À la guerre à l'ancienne, les gars. On rigole plus. J'ai trouvé du ruban adhésif. Ça te sera très utile. Pour emballer un cadeau. On peut dire ça. Surtout garde-le. Je suis perdu. Il y a un escalier là, faut monter, non? Ah, oh, je croyais que c'était une arme, je me voyais avec un pont. C'est un mannequin. Je croyais que c'était un gars, mais non, c'est un mannequin. Du coup, je sais pas quoi faire. Trouver une arme tranchante. Oui, bah, je cherche. J'ai pas trouvé encore d'arme tranchante. On essayerait pas de passer devant. Tu ne t'entends pas. Bouteille. Ah bah tiens. Voilà. Ghost, t'as perdu un couteau? Ouais, plusieurs. Je crois que j'en ai trouvé un. C'est moi qui ai tué certains de ces soldats privés. T'étais là? Ouais, en allant vers l'église. Tu m'as abandonné? Attends. Et... bouge pas. Tac. J'en ai eu un. Pas mal. Je lui ai piqué son arme. Bien joué. Entre dans la cour des grands, Johnny. Choisis bien tes cibles, Johnny. Y'a rien de moins discret que des coups de feu. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un silencieux? Faut être futé et faire avec les moyens du bord. Ça peut être utile. Y'a tout qui peut être utile, tu sais. Mon gars, on s'est mis à récupérer tout ce qu'il y avait sur les passages. De la bougie, de la tapette à souris, des bouteilles et tout. Merde, rends-moi ça. Bouteille. Petite biche, j'ai pas de métal. Bombe fumigène. Ah, je peux en faire. Je peux en faire deux, même. Ah, oh, je peux faire une mine. Oh, je peux faire des mines.
Truc de fou. Le problème c'est que l'arme, j'aurais préféré limite le couteau là. Je peux pas le rentrer l'arme. Ah. Ok. Donc on peut tirer sans se... D'accord. On peut faire des bombes, ouais j'ai vu. J'ai vu ça. Alors, tapette à sous. Bouteille. Ghost à l'église, 300 mètres. Allez, McTavish. Putain, ils sont deux. Ah ouais, ils sont deux. Trois. Oh, ils sont peut-être un peu trop. Je tremble un peu. Graves a tenté de nous tuer. C'est normal que tu sois pas au top de ta forme. Cherche un stimulant, ça t'aidera à te sentir mieux. Si je tire dans le tas, je suis mort. C'est obligé. Je sais pas s'il faut tirer. La bombe. Ouais, c'est vrai que c'est pas con. Pas con du tout. Oh, bien vu, micro. Bien vu. Semblerait. Reste sur tes gardes et continue d'avancer vers l'église. Ouais. Oh putain. Il tombe des hallebardes. Traduction. Il pleut à verse. Tu pouvais pas le dire normalement. C'est ce que j'ai fait. C'est une bonne chose. La pluie couvrira tes traces. Les leurs aussi. Le plus important, c'est toi, Johnny. Ça veut dire que tu m'aimes bien. Ça veut surtout dire que je veux que tu vives. Putain, comment je passe là? La camion. Là tu peux pas. Sans là, mais là il y a pas de place avec la voiture. Là il y a une porte. Peut-être plus facile. Je l'ai vu après. Je l'ai vu après. Putain, j'ai vu le fil qu'après. Ah, je suis dégoûté. Il tombe des hallebardes. Traduction. Il pleut à verse. Tu pouvais pas le dire normalement. C'est ce que j'ai fait. C'est une bonne chose. La pluie couvrira tes traces. Les leurs aussi. Le plus important, c'est toi, Johnny. Ça veut dire que tu m'aimes bien. Ça veut surtout dire que je veux que tu vives. Ouais. Oh putain. Bordel, regarde ça. On traduisait des balles, j'ai rien. Un peu exagéré comme système anti-intrusion. Ça fait rien. Comment on fait pour passer du coup? Passe par derrière. Par la voiture. Ah ouais, d'accord. Putain, j'avais pas vu que le machin était ouvert. Là, par contre, le coup des fenêtres. J'entre. Ah ouais, c'était un coup de pompe, quoi. Que tu peux pour les tenir à distance. Excellent. Je me sers. Maintenant, ça rigole plus. Oh! Ghost. Soap. J'ai trouvé un fil de détente accroché à un fusil à pompe. Je l'ai désarmé et j'ai pris l'arme. Brise des cœurs et des crânes avec, Johnny. Johnny, Graves remue
ciel et terre pour nous retrouver. Pourquoi ? Graves et Shepard sont tous les deux impliqués. Quoi qu'il en soit, j'ai jamais vu un merdier pareil. On doit faire la lumière sur cette histoire. Une balle bien placée et ce sera vite réglé. Mais pour allez. L'instant, on n'est pas en sécurité ici. C'est vrai qu'on range les ventilos. Pour l'instant, on n'est en sécurité nulle part, lieutenant. Ah, plein, on tapette ta souris, chef. Putain, j'ai eu peur, je croyais qu'il y avait quelque chose. Putain de monstre. Créature. C'est short, là. Allô, Houston. Ça me ferait presque flipper l'histoire, là. Il y a du monde derrière. Je crois que t'es mal en point, chef. Dors. Ce sera mieux pour toi. Hop là. Du métal. Et... verrouillé. Pas un problème. Faisons un petit pied de biche. Par contre, à la manette, il est là, il est pas intuitif. Ting. Avec une palme. Et lol, quoi. Explosif. Prendre de l'adrénaline. Yeah. Le Mexique commence à me plaire. Là. Putain, on a retrouvé la patate, ça y est, je cours normalement. Oh putain, on a même on a vraiment la je patate. Suis dans le café. Prends-moi du thé. Foutu britannique. Pied de biche, encore un coup. On va refaire un pied de biche. Pas mal. Tu me remercieras. Comment? En réglant ton problème. Quoi, ton problème? Le masque. Enlève-le. Que je montre mon visage. Oui, chef. Négatif. C'est parce que t'es moche. Bien au contraire. Et lol, quoi. Jolie trouvaille. Donc, nous avons... de quoi nous faire péter la gueule, c'est pas mal. Les explosifs à tire-larigot. Oh, bah merde. Faut faire des pieds de biche toutes les 30 secondes, quoi. C'est des sacrés palmes de machin, quand même. Putain, y'a un coffre et tout, là. Qu'est-ce qu'on a là? Oh! Quelqu'un a une idée? Merde, c'est verrouillé. Faut que je trouve la combinaison. Ça a l'air intéressant. Il y a 40. Déjà, il y a... alors, ça doit être la date de naissance, ouais. Les gars, 9... non, c'est pas le 9, c'est le 10. 10 octobre 2020, on est donc 40 ans avant... ça fait 10 octobre 90. Non, 40 ans. 80 ? Oui, 80. 10 octobre 80, ça doit être ça. Oh putain, le temps qu'on arrive à 80. On peut pas aller plus vite, non. 80. Trop facile. Oh, GG. Oh. Qu'est-ce qu'on a là? Un silencieux. Quel... ça se refuse pas. Ghost. Soap. Devine ce que j'ai trouvé. Un fusil. Affirmatif. Ton espérance de vie vient d'augmenter considérablement. Nice. GG, les gars. Du coup, la route... cet entrepôt. Cherchez et vous trouverez. Il fait partie de la 141. Faut quand même se méfier. Par à gauche, je vais pas trouver. Allez. Reçu, j'y vais. Et là, il est pas trop tard pour te rendre. Johnny, la ville repose sur tout un réseau de tunnels. Il y en a un qui débouche devant l'église. Mais attention, le tunnel est plein.
Prépare-toi à nager. Il y a bien du monde là d'un coup. C'était un réflexe, hein. Tu tiens toujours le coup ? Pour l'instant, ça va. Si tu te fais prendre, ils te feront subir une mort lente. Les mercenaires ou les narcotrafiquants ? Attends. Merde ! Merde ! Oh ! Alors ! Viens pas faire chier ! Merde, ouais, trop tard, ouais, j'ai foutu le bordel. J'ai foutu le bordel. Je croyais qu'il y avait un silencieux sur l'arme, moi. C'est moi qui rêvais. Tiens toujours le coup. Pour l'instant, ça va. Si tu te fais prendre, ils te feront subir une mort lente. Oh, c'est la filtration parfaite. J'ai que 6 balles en silencieux, donc c'est pas le moment de faire le con. Il y a du monde partout en plus. Empruntez les tunnels pour rejoindre l'église, 40 mètres. Lieutenant, je suis au bar. T'aimes la tequila ? J'en prendrais bien un verre là, tout de suite. Je tuerais pour un peu de whisky. Tu veux dire du scotch ? Je préfère le bourbon. Comme un vrai campagnard. Exactement, j'adore le Kentucky. T'es complètement déjanté. C'est certain. On est pas mal. Ça peut servir. Eh ben, laisse-moi ouvrir. Ah, pardon. Y'a que ça ? Je vois rien. Y'a des viseurs, mais les viseurs c'est bon. On est à combien là ? J'ai pas le temps de voir du coup. Trop de monde. Espèce d'enfoiré. Ah, il était derrière moi. Oh putain, il était derrière moi. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, j'avais pas entendu. Ça peut servir. Le problème, c'est qu'il faut arriver à sortir. Je suis pas loin, je suis qu'à 30 mètres. Hein. Il y a un monde. Je suis pas sûr que je sois dans le bon endroit là. C'était quoi ? Oh merde !
J'avoue que le coup du fumigène, j'aurais peut-être dû. Ouais, c'était sûr. J'aurais dû. C'était bien joué, c'était bien pensé. Un bon cocktail. C'est quoi ça? Allez! Un membre de Shadow est mort. C'est Shane. Balayez, sécurisez la zone. Faites-moi signe si vous trouvez quelque chose. Shadow, établissez un périmètre de sécurité. On a une possible menace dans la zone. Autant pas se faire chier, autant partir direct. Ça a rien d'affronter tout le monde. Surtout qu'il me reste plus que le pompe. Dis-moi tout, Johnny. J'ai trouvé le tunnel. La place de l'église se trouve à l'autre bout du tunnel. Ghost, les Shadows portent une armure. Tu vas devoir te... J'ai pas eu le temps de voir. Ouais, je vais crever, là. Je vais crever! Ah, moi j'ai une M4. Là. Oh, c'est brouillon. Oh là là, j'ai plus aucune arme qui est chargée. Oh, c'est limite là, j'aurais dû crever au moins 10 fois, t'sais. Putain, j'ai plus d'armes, j'ai plus rien. Ah, c'était sûr. Oh, je vais crever comme ça, putain, et merde. Là, tu avais la tête dans l'eau, j'étais persuadé qu'il était mort, quoi, mais non. Fais chier! Ah là, le pompe, c'est pas la meilleure des armes, là. C'est vraiment pas la meilleure des armes. Faut faire des têtes. Passer sous l'eau, les éclater. Surtout récupérer un peu d'armes. Tu vois l'église? Ouais. Bien, t'es sur la bonne voie. Continue. Je suis à fond, chef. Ghost. Le passage est bloqué. Coupe à travers les magasins. Oh là là. Coupe à travers les magasins. Prends-moi la porte. Quel magasin? Pas de magasin de son côté. Tortillas. Bon, c'est quelle porte de magasin qui s'ouvre?
y a un resto, mais il y a pas de. J'aime pas chercher. Je crois que j'ai trouvé un passage, lieutenant. Les shadows sont partout. Je vais essayer de les retenir jusqu'à ce que tu me rejoignes devant l'église et qu'on trouve un véhicule. Chercher un magasin. Allume-les, Johnny. On y est presque. C'est plein. Oh putain. Oh putain. Tu paries combien que je peux plus faire de pied de biche? Ah si. C'est le dernier. C'est le dernier pied de biche que je peux faire. Après on est mort. Oh le bâtard. À toutes les unités Shadow, j'envoie un près de l'église. Oh GG. Mon chien. Ghost, c'était toi? Qui d'autre sinon? Allez, bouge. Bah j'aurais bien bougé mais... Vous voulez pas me laisser souffler deux minutes? Ghost, tu me reçois? Il me faut une arme. Johnny, j'ai de la compagnie à l'église. Ils sont pas venus pour prendre le thé. Rejoins-moi dans les escaliers. Ok, lieutenant. Je suis dans la merde, je suis dans la merde. J'en ferai quelque chose. Je suis dans la merde, je suis dans la merde. GG, Pépin. Putain. Un casque a sauté là. C'est bon, hein, vous vous calmez là. Putain, moi, tout au couteau, moi. C'est bon là. Et merci beaucoup. Merci pour le follow. Je suis en train de crever là. Vous arrêtez de venir là. Je veux une arme. Les gars, ils viennent avec 50 armes automatiques. Je peux pas en prendre une, quoi. Ce qu'on a de beau là. Mine, cocktail molotov. Dépêche-toi! Putain. Il me reste 5 balles de pompe quoi. Ah putain. Ouais, le molotov, ouais, j'ai vu. Ouais, ouais bah, je me doute. Je me doute, mon petit weapon, courage à toi. Merde. Là, regarde, ils ont des armes automatiques, je voudrais les ramasser quoi. Tiens, nique ta mère. Mon chien. Ghost, c'était toi? Qui d'autre sinon? Allez, bouge. Laisse-moi bouger. Allez, sérieux! Chose. Oh le bâtard. Tiens. Pas me laisser souffler deux minutes. Ghost, tu me reçois? Johnny, j'ai de la compagnie à l'église. Ils sont pas venus pour prendre le thé. Rejoins-moi dans les escaliers. Ok, non. J'aurai jamais assez d'armes. Oups, c'est par où? C'est par là. J'aurai jamais de quoi sortir. Si je chope pas une arme, je suis foutu. Là quoi en arme secondaire? Ah bah si, j'ai de l'arme. Bah voilà. C'est quoi ce bordel là? Putain. Merde.
Oh putain, il me l'a mis dans la tête. Salope. On va essayer de faire du fumigène. Regarde, on va faire de la mine. Cool. Lieutenant. Oh putain. Ça va être la merde là. Là je vais crever. Là je vais crever un paire de fois. Je le sens gros comme une maison. On va faire des mines, on va faire tout ça, tu vois. Cool. Lieutenant, je vais les massacrer, ces Shadows. J'aime t'entendre parler comme ça. J'ai fabriqué une mine à fil de détente. Super. Ah ouais, mais l'autre, si j'appuie sur le bouton et que ça le tue pas, au lieu d'enrouler ton truc autour de ta bouteille. Putain de scriptage. Cool. Lieutenant, je vais les massacrer, ces Shadows. J'aime t'entendre parler comme ça. J'ai fabriqué une mine à fil de détente. Super. Oh le bâtard. Oh merde, putain, c'est chaud. Massacrer ces Shadows. On va attendre que l'autre y passe. J'ai fabriqué une mine à fil de détente. Super. On a un homme à terre. C'est putain, c'était quoi? Allez, exécute-le au lieu de charger là, ta mère. Putain, il voulait pas l'exécuter quoi, j'ai eu peur. T'es. Vas-y, sors la tête là. Oh mais merde. Oh, on était tellement bien là. Putain, je suis dégoûté. Je suis bloqué là. Je suis bloqué, je sais pas combien de temps mais. Lieutenant, je vais les massacrer ces Shadows. J'aime t'entendre parler comme ça. J'ai fabriqué une mine à fil de détente. Super. Allez, viens! Presque à sec! Arrêtez-vous! Viens! Là! Elle me fout la paix, 30 secondes là! Combien il te reste de munitions? Tout est ok! Putain, c'est pas possible! Aïe, aïe, aïe. Putain, il faut que j'arrive à sortir de là, quoi. Vous me recevez?
Je vais me faire baiser par derrière, je le sens gros comme. Attention. Il passe tranquille. Ça me fait bizarre de passer tranquille comme ça là. Ça sent la couille quelque part. Eh bien Ghost. Reste sur tes gardes. Ils savent qu'on est là et ils savent que c'est nous. Ils vont envoyer des renforts. Ah putain, j'ai pas eu le temps d'aller là, Ariel. Toujours pas mort. Si, si, mort 40 000 fois là. Je galère sur cette mission là. Je galère pas mal. Ils nous font un véhicule, suis-moi. Contact droit devant. Reste sur tes gardes. Ça me coûte là, ça me coûte. Ils vont envoyer des renforts. Attention dans la ruelle. Jolie, t'éloigne pas. Trouve-nous un véhicule. Y'en a un véhicule là, on peut le prendre là. Merde, c'est Ghost. Putain. Ah, fous-moi la paix. J'ai perdu la cible de vue. Je passe à l'assaut. Ça va ? Tu tires. Shadow à terre. Soap. Un pick-up en face. Il a les phares allumés. Je le vois. C'est avec ça qu'on va s'exfiltrer. Fonce. Je suis dessus, grand chef. C'est toi qui conduis, je suppose. Johnny. Toi, monte à côté. Ouais, ça va être super, ça. Ça va être super. Bravo, compliqué. Johnny. T'as réussi. On a réussi, lieutenant. Ah, c'est pas fini. Abonne-toi. Absolument brillant. Pousse-toi. Merci. Roule. On va avoir des problèmes, c'est obligé. Oh, tu passes comme ça, sur les barbelés et tout, sans problème. Tiens. D'accord. Ok. D'accord, ok. Ok, ok. Pas de soucis. On est où? La planque d'Alejandro. Il m'a donné les coordonnées au cas où. Pourquoi il me l'a pas dit à moi? T'avais pas besoin de savoir. Ouais, mais si j'ai... Une plaque de pression. Alejandro l'a bidouillé. Petit malin. Là. Bouge pas! Qui est là? Rodolfo! Soap! Ghost! Vous êtes vivant! Affirmatif. Que c'est bon de vous voir, les gars! Pareil, amigo. Joli lancé. Ah non, joli, ça aurait été dans ta tête. T'es. En cavale. Moi, j'étais en cavale. Ghost m'a attendu. C'est normal, non? Non. Si. On est une équipe. Tous. C'était de ma faute et j'aurais besoin d'aide pour le corriger. On se bat tous ensemble. Pourquoi Graves a retourné sa veste? On en a aucune idée. La seule masse peut corrompre n'importe qui. Pas nous. Pour l'instant, le général Shepard, Laswell et tous ceux qui ne se trouvent pas dans cette pièce sont considérés comme hostiles. Avec une exception. Alejandro. On doit le libérer. Venez. Graves l'a envoyé là-bas. Sa petite prison secrète personnelle. Il y a aussi enfermé mon équipe.
Comment on peut les sortir de là? En nous infiltrant. C'est pour ça que je t'adore, Ghost. Ça va pas nous suffire. Ça va être chiant. Ah, ça va être pas mal. Excellent. On a besoin d'un véhicule. Et blindé de préférence. Lol. C'est qui ce mec? Allez, Andro a pensé à tout. Ouais, c'est clair. Allons chercher. L'ancienne prison se trouve dans une zone reculée de Las Almas. C'était un établissement de haute sécurité avant l'arrivée du cartel et sa fermeture définitive. Il n'y a pas de piste, mais ils auront des hélicos pour la sécurité et le ravitaillement. On laissera le véhicule à l'écart et on foncera jusqu'au point d'infiltration, là. Si des tours de guet sont occupées, va falloir les nettoyer avant de remonter le mur à la corde. Et concernant les caméras? Elles se trouvent dans la salle de vidéosurveillance. On s'en servira pour localiser Alejandro et les autres soldats. Salut Seb. Divisons-nous pour mieux régner. Pendant que Rudy cherche Al, allez, let's go. Utiliserait les caméras pour aider Ghost à poser des charges à des endroits stratégiques. Éclatons. Immersion et sabotage. Pas mal, Johnny. J'ai appris du meilleur, lieutenant. Une fois qu'on aura localisé Alejandro et Los Vaqueros, on se regroupe et on les libère. On prendra quelques armes supplémentaires pour équiper mes hommes et faire le chemin à l'envers. Des questions? Alors, qu'est-ce qu'on attend? On y va. Encore galérer comme des rats morts. Des patrouilles à l'extérieur. C'est certain. Équipé? Armes, munitions et charges dans le sac. J'ai le lance-grappin. Prends mon corde. Okay, ah, bah c'est okay. Pas mal. Attends, moi je vais me repositionner. J'espère qu'elle est vivante. Un souci, avec moi. Eh oh, tu te calmes, toi. Un sentier. Tu t'énerves pas. Hop là, voilà. En position d'attaque. Pas mal. Eh hey Rudy, tu connais Alejandro depuis longtemps? 20 ans. On s'est enrôlé en même temps. C'était le plus coriace du régiment. Je veux bien te croire. On c'est disait bon. Souvent, el único que puede matar a Alejandro es Alejandro. Qu'est-ce que ça veut dire? La seule chose capable de tuer Alejandro, c'est Alejandro. Et au départ, je croyais que c'était Alejandro, moi, le... Certain. Stop. Le traître. Patrouille à l'extérieur. On va devoir les éliminer avant d'entrer. Deux snipers dans la première tour. Saupe, t'en prends un. Je m'occupe de l'autre. Ok. Shadow éliminé. Bien joué, Hermanos. Je vais faire le tour, puis on fera le ménage. Rudy, file-nous un coup de main. Attention, sergent. Faut surtout pas qu'ils t'entendent. L'hélicoptère en avant. Ça ressemble à un gâchis de ravitaillement. Je crois que je me suis fait entendre. La question, on mange quand et quoi, chef? Je sais pas. Pourquoi? Un hélicoptère en approche. Ça ressemble à un largage de ravitaillement. Reçu. Six Shadow en vue. Affirmatif. Trois près du véhicule, deux derrière les rochers et un autre tout seul à droite. Éliminez d'abord les deux près du véhicule, les autres verront rien. Bonne idée. Soap, à mon signal, élimine le type à la casquette. En place. Ok. Trois, deux, un. Bien, deux morts. On bouge. T'as tout pris. Il reçoit des renforts. Mais non, bah, y'avait personne qui l'avait grillé là. Oh là, ça va être chaud là. Là, ça va être chaud patate. Bah ouais, là, c'est sûr. Bon. D'accord, ok, chef. Je ne tire pas avant que Ghost tire. Je suis mauvais ce soir. Enfin, ce soir, cet après-midi. Allez, hélicoptère de ravitaillement, on est d'accord. Près du véhicule, deux derrière et un autre tout seul à ta droite. Éliminez d'abord les deux près du véhicule, les autres verront rien. Bonne idée. Soap, à mon signal, élimine le type à la casquette. En place. Ok. 3, 2, 1. Bien, deux morts. On bouge. Élimine les deux à droite du véhicule. Celui de l'autre côté est pour moi. Droite du véhicule. C'est quand tu veux, sergent. Le véhicule à droite. Deux soldats à découvert. C'est bon.
Oh là là. Toi est libre. Avance jusqu'au pied de la tour. C'est par là qu'on entrera. Fais pas de bruit. Fais pas de bruit, tu cours comme un lapin. Eh bien, faut monter. Chope le grappin. Il est pas réactif le mec hein. Bonne prise. Passez devant, lieutenant. Soap, ouvre la porte. À toi, Soap. Bah ouais, je voudrais bien le logo. Je l'ai pas. Soap, monte, allez. Ah, je veux bien. Voilà. Ne tire pas une fois là-haut, on doit rester discret. Ouais. Bon, pas tirer, pas tirer. Je suis en haut. Reçu, je te suis. Direction la salle de sécurité. T'éloigne pas. Cherchez une trappe avec une échelle. Un petit sniper. Viens, saut. Ouais, j'arrive. Je suis au-dessus de toi. Putain, il est lent. On y est. Avançons. La salle de surveillance est tout droit. C'est là que se trouvent les caméras. Rapidité et discrétion. Deux à l'intérieur. On doit les éliminer avant qu'ils appellent leurs copains. Je conseille d'utiliser une arme de courte portée à l'intérieur. Ah putain. C'est dégagé. On localisera mes hommes avec le circuit. Il y a les Randro. Il va falloir faire diversion. Je poserai des charges à l'extérieur. J'ai combien de balles de snipe? Tu seras mes yeux. Ok. C'est chaud. Utilise les caméras. Salut Magic. Salut, salut. Ouais, pas mal, il est sympathique. Pas mal, pas mal. J'y suis. Moi aussi. J'y vais. Couvrez-moi. Il y a du rebondissement. Pas mal. C'est dégagé, vas-y. Observe la caméra qui est devant moi et dis-moi s'il y a des cibles. Un shadow, ça devrait être facile. Descends-le. Oh là là, par contre ça c'est l'émission. Passe derrière le véhicule. Ça je suis pas trop fan, mais après je comprends, tu sais, pour la diversité. Plusieurs shadows blindés. Baisse-toi. C'est noté. Shadow sur le balcon. Jusqu'à la cible. C'est bon. Un à gauche. Sors ton flingue et tue-le. Reste concentré, Johnny. Je dis ça comme ça. Un peu de sérieux, sergent. Ouais, par contre, là, t'en as trois, donc... Je ne sais point comment tu vas faire. J'en vois un dans le coin. Dis-moi quand c'est bon. Va de l'autre côté de la caisse. Monte. Là, c'est cool le choix à multiple quand même. Je te vois sur le toit. Il y en a un en dessous. Run. Ouais, c'est ça, run. Un soldat en patrouille à l'intérieur des barbelés. Il porte une armure. Je vais devoir m'approcher. Ordure sur ta droite. C'est le moment de sortir les poulets. Tu fais chier. Un soldat, à gauche. Abat-le. Vas-y, Ghost. Y en a un dans le coin. Tue-le à l'arme à feu. Belle élimination. Va de l'autre côté de la caisse. Il n'y a pas d'autre caméra là ? Ah si. Putain, il y a du monde là. Passe derrière le véhicule. C'est un bon endroit pour placer une charge. Qu'est-ce que t'en penses ? Bonne idée, lieutenant. Ok. Trois shadows devant toi.
Un au niveau du camion et deux au tournant. Il va te falloir une diversion. Garde sur la passerelle. Attends mon signal. Je sais pas si ça passe là, si je lui dis d'aller là. Fonce, lieutenant. T'as ces shorts là, là je sais pas comment faire. C'est le moment de faire diversion. Merde. Lieutenant. Va de l'autre côté de la caisse. C'est le moment de faire diversion, lieutenant. Ton passe-temps favori. Extinction des feux. Tu peux continuer. Il se dirige vers le disjoncteur. Sauf s'il me croise en chemin. Reste là. Maintenant. Je suis plutôt bon à ça, non? J'ai vu mieux. Qui? Moi. Attention, un shadow. Tire quand tu veux, lieutenant. GG! C'est dégagé, vas-y. Va à droite. Ouais, c'est de l'infiltration là, j'avoue, mais. C'est pas si dégueulasse que ça, c'est quand même assez intuitif et franchement c'est pas. Voilà. Ça pourrait être pire, je suis pas fada du gameplay. Ouh putain. Quelques coups de couteau et le tour est joué. Dors maintenant. Un soldat, à gauche. Flanque-lui une balle. Passe par les armes, lieutenant. Un shadow pourrait voir le cadavre que t'as laissé. Ou il pourrait le rejoindre. Je sais pas où il faut aller en plus. Vas-y, maintenant. Je vois un pick-up que tu pourrais saboter. Bien joué, sergent. Bouge. Flingue-le. Il est mort. Faut quand même un minimum de concentration. Passe derrière le véhicule. Je place la charge. Deux de moins. J'avance. J'en vois un devant. Va de l'autre côté de la caisse. Un à gauche. Pour être suriné, lieutenant. Fais de beaux rêves, connard. T'en as éliminé la moitié de la base, juste comme ça, quoi. T'as le champ libre. On va se faire choper, là, si je fais ça. Maintenant, Ghost. J'envoie un sur ta route. Je te conseille d'utiliser ton couteau. Du grand Ghost. Ce véhicule de transport de troupes est parfait pour une bombe. Y a un mec au-dessus, ça va être chaud. RAS, tu peux y aller. Tu peux poser la charge. C'est noté. Fait. On continue. Par à droite. Oh, ça passe. Comment tu veux passer là? Plante-le. Il y en a un sur le toit, Ghost. Trouve-moi un moyen de monter. Bah, je voudrais bien, chef, mais... Longe le mur. Je reviens sur la caméra d'avant, là. Ça a l'air dégagé. Shadow sur ta route. Exécute-le. Sors ton couteau. Neutralisé. Plomb bleu, chef. Oh là là. Ah putain. Ah, on peut pas en faire deux en même temps. Deux en même temps, c'est pas possible. Fais chier. Comment on peut... Ah, j'ai pas fait la diversion. C'est ça que j'ai merdé. Il va te falloir une diversion.
Va de l'autre côté de la caisse. Exécute-le. Neutralisé. Replie-toi, chef. Ah, je suis choqué. Putain. Ah merde. J'aime pas ces trucs. J'aime pas cela, ça c'est. Admire le travail. C'est le bordel. Bon déjà tu vas dégager. J'aime pas ces missions, elles sont trop compliquées. Éteindre. J'avais même pas fait gaffe qu'on pouvait. Reste. On va essayer de se remettre derrière. C'est short parce que les deux sont toujours en vie. T'sais. Monte. Les deux sont toujours ensemble là-bas, donc je peux pas faire grand-chose en fait. Shadow droit devant. Sors ton couteau. Oh, ces infiltrations. Shadow, à droite. Saigne-le. Putain, je sais pas où il est le deuxième. Bonne nuit. Exécute-le. Oh si, c'est bon, c'est passé. Oh, c'est RF, magnifique. Tu peux y aller. Il y a un autre véhicule de transport de troupes pour toi. Oh putain, il y a deux autres gars qui arrivent là. Deux en approche par la route. Laisse-les passer. Oh putain, les trois, ils restent. Oh là 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 là. Maintenant, Ghost. Et chier. J'aurais dû le buter avant, lui. Allez, arrêtez de piailler, les gars, là. Je sais pas comment faire, là. Là, je n'ai vraiment pas d'idée du tout. Si j'en attaque un, je suis mort. Passe derrière le véhicule. Fonce, lieutenant. Je peux peut-être faire le tour. Oh putain. Utilise ton couteau. Encore un Shadow éliminé. Oh là 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 là. Shadow, à gauche. Plomb bleu, chef. Dégage, connard. Oh, c'est chaud quand même. Bonne idée, lieutenant. Autant de véhicules qui pourront pas nous poursuivre. Johnny, on est tous en place ici. Où est Alejandro ? Il y en a un derrière. Une parfait. Regarde. Je viens de le trouver. Où ça ? Un instant. Là. Putain de merde. C'est lui. Il est à l'isolement. Deux devant la porte. Je les vois. Ghost. On le tient. Il est tout seul. Deux Shadows montent la garde. Plus pour longtemps. Rendez-vous devant le bloc. On va le libérer. Bien reçu. J'y vais. Beau travail. Toi aussi, l'ami. Alejandro aurait fait pareil pour nous. Ouais, chaud, ça fait chaud votre travail. Et chaud, chaud, chaud. Quelle est ta situation ? On travaille pas comme ça. Reçu, on se met en mouvement. Attention à l'hélico. Je crois pas qu'on puisse nous voir. L'entrée des cellules se trouve juste devant. Mais les Shadows nous bloquent la route. Butons-les avant d'entrer. Putain, y'a du monde. Voie est libre. Ah bah. J'étais censé en prendre un, mais. Hein ? Comment te dire ? Les gars, on fait tout. C'est verrouillé. Putain, c'est verrouillé. Une palme d'hélice. Non, Rudy. Frappe. Frappe. Moi. Frappe avant d'entrer. Ils font le ménage tout seul, j'ai pas besoin de tirer. Les
ennemis au niveau supérieur. T'en es pas mal, ouais, je suis pas sûr. Soap, on va les faire occuper là-haut. Continue d'avancer. Putain, fais chier. 2 heures après, lol. Ouais, bah ouais, sauve. Soap, on va finir occupé là-haut. Continue d'avancer. Oh, ta mère. Vas-y, crève là, sérieux, tu fais combien de balles pour crever? On arrive, sergent. Alejandro est en haut, allons-y. J'ai quoi comme... parce que là, je suis un peu léger. Couloir, à droite. Je vais prendre une arme là parce que. Allumez-les! Crevez! C'est la cellule d'Alejandro. Ouvrez-la. Et où ta cellule? Johnny, elle... quand j'aurai fait sauter le verrou, tu entres. C'est pour ça qu'on est là. Alejandro! Colonel, relax, cabron, c'est avec nous. So, il est con. Rudy, go. Tu pensais pas qu'on allait te laisser? On avait mis du temps. J'ai droit gros de la Jado. L'enfoiré. Combattons le feu par le feu. D'autres vaqueros sont enfermés plus haut. Allons les faire sortir. Oh, allez, je te suis, Rodolfo. T'as vu Graves dans le coin? Non, mais j'ai bien l'intention de lui rendre une petite visite. Moi aussi. Il y a des gardes à tous les étages. Alors faites attention. J'ai pas beaucoup de balles là, ça aurait été cool d'avoir un peu de balles. Oh là là. Lance-leur tout ce que t'as. Gros et pota, tue tout ce qui bouge. Ah putain, ça me fait ça. Tiens, bouffe. Oh. Je crois qu'on est tranquille. Là. Retenu prisonnier dans ces cellules. On est là, Vaqueros. C'est l'heure de rentrer à la maison. On est là, hermanos. On va vous faire sortir. On devrait vraiment récupérer des munitions. Voilà. Suffisait de demander, tu sais. Nice. Tu l'as entendu, Johnny. Vas-y et déverrouille les portes. Merde, pardon, excuse-moi. Faut déverrouiller les portes, lesquelles? Comment les déverrouiller les portes? Ah, elles sont là. Je suis dessus. Mes frères d'armes, à la vie, à la main. Sergent Parra, les armes. Prends-en une et attendez-la. Commandant, estas vivo? Les autres, suivez-moi. Je suis là. C'était une victoire. Alors, on va les faire déguster. Bien dit. Ça sent la guerre. Ils savent qu'on est là, restez sur vous. Ah, la grenade qui va me faire mal. Non, c'est bon. Oh lolo. Il faut quelques balles. Lui. Ah putain, il est pas mort. Oh là là. Moi, je comprends pas. Ah, ça va me saouler. Plus d'un chargeur pour buter un mec. Justez. Bien dit. Les Shadows savent qu'on est là. Restez sur vous. T'as vu ce que je lui mets quoi? Sérieux?
Oh merde, là c'est moi qui ai fait le con. C'est moi qui ai fait le con, my bad. Ok, autant pour moi, désolé. Sorry, sorry, sorry. Je suis mauvais. Bien dit. Fais chier de me mettre à droite en fait, j'avais une porte bien dégagée à gauche. Les Shadows savent qu'on est là. Oh sérieux. Putain les gars, couvrez-moi quoi, sérieux. Ouah, je le voyais pas, vous aviez vu vous? Moi franchement je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu du tout. Bien dit. Oh putain, je recommence là quoi. Vas-y, je couvre d'en haut moi. Putain, je peux pas couvrir. Les Shadows savent qu'on est là, restez sur le regard. Oh mais merde. Balancer une grenade à droite. Hein. Enfin, j'ai buté les deux d'en haut là, je balance une grenade direct. Les Shadows savent qu'on est là. Putain, je prends des balles, je suis jamais lu. La salle est grande. Assurez-vous qu'il ne reste aucune menace. Ça a l'air dégagé, colonel. R.A.S. Regroupez-vous près des portes. Elle est cadenassée. Laisse-moi faire. Allez, go, let's go. Vous, colonel. Fais à volonté, Herman. Les escaliers nous mèneront dehors. On retrouve les bloqueurs sous le camp d'ici. Les véhicules d'exfiltration sont prêts. Ghost a posé des charges pour nous faciliter la tâche. Avec l'aide de Johnny. Je me vois mal appeler Soap Johnny. Le fais pas. C'est un privilège réservé à Ghost. Il y a du matos là. Prenez ce dont vous avez besoin. Ils vont pas nous laisser partir sans lutter. On va devoir traverser la cour pour faire sortir tout le monde. Oh, putain. Sur toi, à droite. J'adore quand tu tires sur un mec et que ça fait rien. Éliminé. Bien visé, hermano. On est chaud patate. Bien sûr. Ça arrive. Et ça fait boum. Ça fait boum. J'avais buté un peu tout le monde avant, mais bon, c'est pas grave. Ouh. Ça, ça a l'air sympa, ça. Tu vois ? Tourelle,
Merde, putain, je l'ai vu qu'après. Ah, j'y crois pas quoi. Et ça fait beau. Parfait, on continue. Tourelle, utilise le détonateur pour dégager. La faire exploser. Dégagez. Je suis toujours putain de mal positionné. Mec. C'est terminé pour l'instant. Rodolfo, où on va? Coupe à travers le bâtiment à gauche. C'est short. Shadow sont prêts tarés. Ce sont des mercenaires, Johnny. Des putains d'opportunistes. Ça a l'air calme. Prends tout ce qui pourrait nous aider à sortir de là vivant. Je vais bien. Reçu. Reçu. On sort. On va devoir dégager la côte pour pouvoir traverser. J'ai pas. Un petit visuel. Merde, j'ai tiré le gilet. Là. Allez. Allez, monte ta tête là. Je suis en train de me faire ouvrir en deux. Oh l'autre, il était devant ma gueule quoi. J'avais pas vu quoi, c'est coucou, tu sais. Coucou. Poupou. Putain d'opportuniste. Putain d'enfoiré. Ah, peu de munitions, pourquoi peu de munitions. C'est bon quoi. Un ménage comme ça mon gars. On va faire le plein hein. Ouais. Putain il est barré. Zéro folio. Ils sont où les copains là? Je crois que je vais approcher, je vais en prendre une rafale dans la tête. D'autres arrivent avec des boucliers. Oh, j'étais en train de me demander à quelle seconde j'allais crever. T'sais. Oh là là, c'est carnage. Il faut tous les éliminer, sinon ils risquent de nous poursuivre. Bonne idée. Avancez. Il y a un terrain qu'on peut utiliser pour contourner. Putain, c'est Alexandro là, il fait chier lui. Chaque fois je le prends pour un ennemi. Oh, j'ai vu un truc qui peut être marrant là. Hop là. Vous entendez ça? Un hélicoptère. Oh
5 sur 5. On arrive, chef. On arrive. Mais qui ? Un ami. Presque, qui vient nous sauver. Allez, le cul, quoi. Okay, alors, rejoignez le mur entre les tours, allez. Attention, corde déployée. Servez-vous en pour grimper. Merci. Ça va. Franchement, ça va. Mais les shadows vont pas tarder à se prendre. T'es tranquille. Sergent McTavish. C'est bon de vous revoir, capitaine. Ghost, Yarrick, Price. Comment vous avez su ? La fine équipe. Elle nous a contactés dès que Shepard a disparu des radars. Ils sont aussi fiables. Colonel Vargas, voici le capitaine Price et le sergent Garrick. Merci de votre aide. Mes hommes ont besoin de tirs de couverture. Yes, Ghost, sauve. En soutien, tout de suite. Yes. Le pire moment, quoi. Si tu trouves des armes dans cette tour, utilisez-les. Merci, Monkey. L'autre véhicule arrive. Merci, devant. Merci. La classe. Vise un peu ça. J'ai trouvé un lance-grenade. Ouais, par contre, faudrait une arme avec des munitions. Ah, j'ai plus que 5 balles avec celui-là, merde. On a 22 balles avec l'autre. Envoie des tirs de suppression. Nos alliés sont en train de camper. On dégage. Il y a des snipers sur les voies. Éliminez-les. Un point. Il faut l'autre arme, je pourrais rien faire. Ah si, calibre 50 là. Ça va, j'ai loupé une balle. Allez, Johnny, on en a fini ici. Ouais, on se casse. Là, tu tires sur les balles au calme, tu sais. Ces deux-là sont à nous. Ok. Rodolfo, prends le véhicule qu'on avait tout à l'heure. Bien reçu. Keros, avec moi, Rosé. Retrouve-le dans la maison. Reçu, colonel. Bonne chance. Capitaine, suivez-moi. Reçu. Keros, vous conduisez. Oui. Ghost, stop, par ici. Montez. Sergent, j'ai peur de nous attraper. Il envoyait Graves et la Shadow Company nous tuer et se débarrasser des Vaqueros. C'est ça. C'est pourquoi. Ça, elle a mené quelques recherches. Qu'est-ce qu'elle a trouvé ? La vérité. Oh putain. La vérité est ailleurs, mesdames, messieurs. J'ai découvert des renseignements confidentiels au sujet d'une opération secrète menée par la Shadow Company sous les ordres du général Shepard. Ils envoyaient des missiles balistiques américains à nos alliés au Moyen-Orient alors en conflit avec les Russes. Ah, les enfoirés. La mission ne s'est pas déroulée comme prévu. Est-ce qu'on transporte cette fois, Graves ? Je vous le disais, je devrais vous tuer. Je suis sûr qu'il le ferait aussi. C'est rien de bien compliqué, les gars. Juste des armes pour les gentils. Vous serez rentrés à temps pour le petit-déj. Si on se foire pas, ce sera le jackpot pour tout le monde. Venez me voir à votre tour. Compris ? Ouais. Ça marche. J'ai peur d'attendre un rapport, ne le faites pas attendre. Terminé. Trois conteneurs. C'est pas rien non plus. Oh, bousiller déjà. Shadow 2 à Leader Gold Eagle. Je vous écoute, deux. Trois véhicules de la Shadow quittent la route 7 Zulu. Aucun problème à signaler, Leader. Reçu. Livrez la marchandise en temps et en heure. Aucune erreur permise. Eagle, terminé. Aucune erreur permise.
Je savais bien que c'était pas une mission comme une autre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ici Erickson, tout va bien? Y'a un véhicule sur la route. Bouge pas, j'arrive. Vous savez quoi les gars? Eh ben la suite demain, je pense. Demain ou ce soir, je sais pas. Je pense plus demain. Je sais pas où on en est. On va regarder vite fait. Retour au menu de campagne. Oui. Tassioun. Allez, il faut que j'arrive à tenir jusqu'à dimanche. Donc si on éclate tout d'un coup. On est à la 15. Il restera 16-17. Il reste 15-16-17. Il en restera 3. Ça sera pas mal, je pense. Si on galère un peu, ça pourrait tenir. Voilà. Du coup, on va faire comme ça. Ça va être sympa. Hop là. Allez, chat. Hop. Bon, donc, toujours le fameux fond vert. Hein. Vous le savez, vous êtes au courant. En tout cas, merci d'être là. Merci d'être venu vous promener sur Call of avec moi. Ça fait énormément plaisir. On se retrouve dimanche soir. Voilà, tranquillou. On finira cette carrière. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup en 3 épisodes ça peut être pas mal. Mon ressenti il est pas si dégueulasse. Il est même plutôt bien, j'aime bien. Franchement il est sympathique. Et voilà. Je pense que les cartes en multi vont envoyer du steak. Vraiment, vraiment, vraiment. Et dimanche on finira là dessus. Et lundi début de semaine, décor, crew farm, farming. On reviendra sur notre bon vieux thématique. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là. Des bisous. Ciao. Bonsoir. Ciao. Levanta la mano. Y pueblo el mundo. Levanta la mano. Mi gente. Levanta la mano. Y pueblo el mundo. Levanta la mano. Mi gente. Gia. Mami, yo soy Mick J. The Prince.